Mettez la quille. Dégage de là, c'est mes affaires. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Je vais vous donner manger. C'est du champ. Merci. Désolé pour tout à l'heure. C'est pas grave. On a tous peur. T'en veux ? Je peux pas. Tiens. Merci. Pourquoi t'es triste ? Je suis triste. Plus que les autres, en tout cas. Un décès dans la famille. Non, je suis pas triste. Et toi, t'es à la rue, t'as pas l'air triste. Pourtant, t'es ni folle, ni alcoolo, ni immigrée, ni rome. J'en ai eu marre des contraintes. J'ai décidé de me barrer. J'en avais marre des murs. Bah tiens, comme tout le monde. Et tu sais quoi, tu vas les regretter tes murs. J'aurais aimé qu'on me le dise. Tu sais pas ce que c'est toi la rue. Quand tu seras fait péter la gueule, pisser dessus par des connards. Quand tu seras fait violer par un fils de pute qui aura trop... Ta gueule ! Je te mets enceinte comme moi à ton avis. Mais fais pas la morale, toi t'es pas une fille. D'accord ? Tu peux pas comprendre, t'as pas le handicap d'être comme t'es née, alors ferme ta gueule. Je sais même pas de qui il est, tu comprends là ? Y'a pas un mec qui se fait pas des plans quand il me voit. Y'en a pas un qui vient me voir avec une autre idée. Y'en a pas un qui me fait pas chier quand je passe. À part toi. Vous voulez une petite blague, les gars ? Ouais. Vous connaissez la différence entre un pin et un SRS ? Mais j'ai pas encore commencé, je vous ai pas dit la chute. Arrêtez de rire, c'est pas drôle. J'en ai une autre. Qu'est-ce qu'on aurait, hein, si Napoléon il existait encore ? Un Bonaparte. Ouais, nous on s'arrache. Vous cassez ? Ouais. Arrêtez. Ah, on a un rendez-vous. C'est sérieux ? Professionnel. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Bon, bah, mes gens. Allez ! Salut.
ça va? Hein? Alors? Fais pipi? Ouais, 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 t'es moi, je vois ça, ouais, t'es une merde en fait. Dis-moi qu'on va s'en sortir. Dis-moi qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir, tous les trois. Je te promets. Donc vous serez trois. Oui. Ça. Alors il faut savoir que ce logement vous est accordé à condition que l'un de vous deux travaille. Donc vous, vous pourrez seulement 3-4 mois, mais votre compagnon pourra plus facilement trouver. En plus c'est un homme. Par contre, au niveau de l'attitude, il va falloir faire quelque chose. Enfin, les cheveux ça va, mais il faut vous soigner, manger. Mettre des vêtements propres, vous laver, enfin. Faire un minimum d'effort, quoi. Bon, vous me signez tout ça, vous me le ramenez demain, et puis à partir de demain, on peut commencer à trouver du travail pour vous deux. Pour nous et pour le bébé, et puis quand on aura une maison... Arrête! Qu'est-ce qu'il fait? Lâche-moi! Arrête avec tes conneries! Je te connais même pas! Je sais même pas qui t'es! Je suis pas le père de ton gosse, merde! Tu me fais chier avec tes histoires de on va y arriver! J'ai pas envie, je préfère crever, ok? Je vais crever et tu me feras plus chier. Pourquoi tu me suis... Je connais que toi.
T'étais où? Je croyais que t'étais mort. Viens. Allez, on y va, viens. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Julien, qu'est-ce qui se passe? On va s'en sortir, viens, regarde-moi. Putain, tu peux pas me faire ça. On veut... T'as dit qu'on allait s'en sortir, viens, lève-toi. Lève-toi! Fais-le pour toi! Fais quelque chose! Fais quelque chose!